Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportive, culturelle et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la ville de Bua, sous tension ce jour après l'assassinat d'une élève de 3 ans par un gendarme. Tension ce jour dans la ville de Bua, au Cameroun. Après l'assassinat d'une élève âgée de 3 ans qui se trouvait à bord d'un véhicule de sa mère par un gendarme, il y a quelques minutes, les jeunes de la ville de Bua ont immédiatement procédé à des manifestations dans la ville. Ils ont défilé avec le corps de la gamine de 3 ans dans toute la ville pendant cette journée. Ensuite, ils l'ont conduit à Bongo Square où plusieurs coups de feu ont été entendus pendant cette soirée. Voilà ce qu'ils disaient pendant la manifestation. Nous irons déposer le corps dans le bureau du gouverneur du Sud-Ouest, a confié un manifestant sur place. Il faut préciser que la petite élève était à bord du véhicule de sa maman qui l'occupait à aller à l'école lorsque le gendarme a ouvert le feu sur le véhicule. Il se susurre que la dame aurait refusé d'obtempérer aux injonctions du gendarme, d'où il a tiré sur la voiture. L'incident s'est produit exactement vers Bitegui, près de la nouvelle cathédrale. Après cet incident, le gendarme a aussitôt été lynché par la population. Pour l'instant, les manifestations sont toujours effectives dans la ville de Bua, au Cameroun. La police a ensuite ouvert une enquête pour situer les faits. Nous tirons les sources de cette information sur le TGV de l'info. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. Nous suivons cette affaire de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker et commenter. N'oubliez pas aussi de taguer vos amis à s'abonner à notre page. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et vous-même à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube DHTV1. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.